Vous êtes capable de manger pour 50 roupies. Je vous présente notre petit camarade 50. Salut à tous, nouveau vlog aujourd'hui, première vidéo de l'année 2022. D'ailleurs, je profite pour souhaiter tout une très bonne année. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui est un petit peu différente. Qui dit janvier, dit chaleur, mais aussi pour faire un petit peu vide quand arrive au milieu le mois. Donc, un des fois, besoin de CS1, il n'y a pas trop qu'à manger un burger. Là. Mais là, j'ai envie de montrer 5 places ou même plus de pour lui. Que vous êtes capable de manger pour 50 roupies. Je vous présente notre petit camarade 50. Et là, nous parlerons de la meilleure place qui nous a mangé pour 50 roupies de pour lui. Juste pour qu'il comment dire, nous a bien mangé, mais à petit prix. Bien sûr, ça va en place. Ça, c'est plus de la street food. Donc, avec les conditions sanitaires qu'il y a actuellement, nous ne sommes pas capables de manger partout. Mais nous pouvons faire maximum pour nous montrer notre bonne base. Alors, première place qui me suis envie de montrer, c'est une bonne place préférée, nous capable de dire. C'est une base que nous capablement de manger un petit gars. Il trouve juste à la fin de la rue Royale, vis-à-vis avec Feeling Engine, qui est juste là. Okay? Et pendant juste à côté, vous êtes capable de gagner du petit gars, vous êtes capable de gagner Alim. Et moi, vous êtes dans la découverte ensemble. Alors là, nous que Tika Renaissance, ça fait plus de 35 ans qu'ils vont en faire du pain Tika ici. C'est une bonne place qui est extra content de manger parce qu'il me trouve super value for money. C'est vrai que le prix nous augmente un petit peu ces derniers temps, mais je pense que c'est still very good value for money. Nous du pain tika qui coûte 45 roupies. Donc mon montage qui est un petit peu qui est dans l'annonce, c'est ça. Et c'est un joli morceau tika avec cresson et mayonnaise et piment crasé. Donc vous êtes dans le manger. Je connais sa place depuis mon enfance et le goût pas changé, que ce soit ticala ou bien mayonnaise, etc. C'est juste retrouver l'enfance et c'est une place que je me suis recommandé à seulement 45 roupies. Et hier, moi, c'est Roger Snack. Roger Snack, c'est une institution pour du monde qui connaît pour lui. Et il a un mari bon mine, oui, mais aussi c'est fait du pain qui marie top. Moi, vite dans l'intérieur, nous demandons un petit peu qui c'était. En compagnie de Jennifer. Jennifer, est-ce que vous êtes capable de nous chez Rosé Snack pour 50 roupies, un du pain qui nous capable de gagner? Bonjour. Pour 50 roupies, un du pain, vous êtes capable de gagner du pain le foie bœuf et la poisson. Et puis vous gagnez porc zambérique, porc théocon. Et puis vous gagnez poulet et black bean. Et vous êtes capable de gagner poulet zambérique aussi. Vous êtes capable de gagner chop-soy. Tout le menu que vous avez besoin. Est-ce qu'il nous a fait un petit mélange? Parce que moi, longtemps, je vais faire un petit mélange et la fois bœuf, poulet, etc. Si, ou quand fait un mélange, quand mélange porc avec poulet, porc et bœuf, c'est qui ont envie, ça fait au plaisir. Je viens de dire que Michel Kebab, c'est peut-être pas le meilleur kebab qui est dans Maurice, mais pour 40 roupies, maintenant 50 roupies, c'est peut-être une bonne best value qu'ils sont capables de gagner en termes de kebab. Et moi, je connais qui ça kebab, un département marré beaucoup fois, donc moi, je vais dire. Derrière moi, c'est Mister Kebab. Alors, Mister Kebab, c'est pour moi pareil, une institution pour lui, pour les jeunes. Moi, souvent, quand je fais sortir de l'université, je fais passer à manger un petit kebab avec mon camarade ou le samedi, quand on fait les courses, un petit coca, un petit kebab, on marie bien. Donc, c'est juste là, c'est à 50 roupies. Pour 10 roupies en plus, je suis capable avec fromage. Moi, je prends avec fromage tout le temps. Mais sans fromage, c'est à 50 roupies et c'est toujours value for money. Quand
quand nous causons mange pour 50 roupies pour lui, un de premier place qui vient dans la tête, c'est bazar pour lui. Parce qu'il a marié beaucoup d'affaires là-bas, dalle pourrie, 10 pains, etc. Donc moi, j'ai mal découvert ça et nous avons un petit coup qui nous capable de manger. Nous dans bazar pour lui, je vous montre un petit place que ça soit capable de dalle pourrie. Marie essayé, mais tout le temps il est dans la quai ici, donc je vous ai fait un petit peu attention quand je vais venir là. Donc c'est ici. Good. Donc c'est ici que Tram Sahai et que ce d'arbre maribon et mais seulement l'arc est un petit peu long, donc faire attention. Alors là nous le food court pour lui. Je vous montre un petit peu vendre d'affaires qui se capable de gagner ici. Alors là nous avons un petit gâteau français qui coûte 20 roupies, qui paraît maribon. Donc là ça, je peux gagner dalle pourrie pareil. Et là je peux gagner une série de vendements sans qui vendent du pain, des pois fourrés avec tika, cartless, etc. Ou même ena, je peux gagner du pain, gâteau piment, du pain du beurre, gâteau piment ici. Ici je peux gagner un pain fourré. Donc, il y a une panoplie de trucs à manger ici qu'ils sont capables de gagner pour 50 roupies. Donc, si je peux demander à faire qui est super affordable, ils sont capables de faire un détour ici dans le bazar pour nous. Alors, voilà nos vidéos pour ban cheap eats. Fini ici, j'espère que vous avez enjoyé. Nous pouvons répliquer dans les autres grandes villes qui est Pipe, Carbone, Rosille. Nous pouvons voyager un petit peu partout pour essayer de faire des découvertes dans une place que vous êtes capable de bien manger pour très peu. Et même nous pouvons essayer d'amener un nouveau concept encore cette année-ci pour qu'il va continuer à plus voyer. Mais toujours, comme on m'habitue les autres, nous continuons à manger.